What's up guys, Spoiler Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur le Final Fantasy XIII Lightning Returns. Donc j'ai vérifié pour tous les PNJ et les quêtes qu'on devait terminer, ça se passe tout le temps entre 19h et 3h du matin. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est que je sais que normalement il y a quelqu'un à qui on peut parler ici, voilà donc celle-là. Et ça va continuer une de nos quêtes. Qui êtes-vous? Vous devez être Erin. Here, I have a letter for you from Reddick. Reddick? Well, that's a name from the past. Wait, I thought he was dead. Let me see that thing. Well, that's his handwriting, all right. I'd recognize it anywhere. Here, I've kept the journal with me, just as I promised him. I don't mean to pry, but how do you two know each other? We used to date. Not one of my finer moments, that's for sure. Hindsight, you know. But that was lifetimes ago. He made me keep this while we were still together. Why would he give it to you instead of keeping it? Have you read it? The thought never even crossed my mind. And I knew anything that bastard Reddick was involved with couldn't be good. Please, take it. I'm sick of carrying it everywhere. I'm just happy to wash my hands of the whole thing. It's your problem now. All right, I get it. Thanks. Voilà, donc on a enfin le premier journal. I know, right? Weird, huh? What I don't understand is why there are so many people involved. First Reddick had it, then he gave it to his friend Orin for safekeeping. I wonder if it holds some sort of big secret. If secrets so dangerous, just having the journal in his possession could put him at risk. What do you think? I think I should read the journal before I give it back. It would be the fastest way to find out what's going on. But do you really think you should? I mean, it is private after all. But does it really matter at this point? I mean, we're already neck deep in his affairs. It's all for his benefit anyway, right? Okay, it's up to you. But remember, what's been read can't be unread. If you want to do this, you're on your own. Vous avez retrouvé le journal de Ranulf qui semble renfermer un grand secret. Allez-vous respecter l'intimité de Ranulf ou lire son journal pour en savoir plus? Je le lis. I need to know the truth. I need to know for Ranulf, for his own sake. Day 2505. I searched every inch of Yusnan. I found no clues as to who killed my wife and child. Day 3229. I came across a merchant in the Warren who had a valuable piece of information about the case. A certain business rival wanted me out of business. Was this his doing? Did he kill my family to make some sort of sick point? Day 4762. I can't stop picturing my daughter's corpse. I can't erase the image from my head. I have nothing to live for anymore. But I can't rest until I find justice. My family deserves it. Day 15756. Revenge is imminent. Mark my words, justice will be served. Day 15757. Justice will be served. Day 15758. Justice will be served. Day 15759. Justice will be served. Day 15760. Justice will be served. Justice will be served. Justice will be served. Justice will be served. I can't believe Ranulf had to live through this kind of tragedy. His wife and child were killed by a business rival. I can't begin to imagine how he must have felt. The journal begins from the day after the incident and goes on for years. I mean, look at the dates. He must have been chasing the killer for decades. It looks like he was consumed by the thought of revenge and nothing else. But wait,
There must be a mistake. Remember what Renolf said before? He told us that he had never had a family of his own. I don't think he was lying. I think that's what he honestly believes. I think he truly doesn't remember what happened. Look at these journal entries, the same words written over and over. He couldn't deal with reality. He must have cracked. Lost his sanity. Yeah, and with it, all his memories. In the end, it was the only way he could survive. Cutting himself off from the past is what's kept him going. He doesn't mourn his family, because he doesn't know they ever existed. Putain, ce qu'il a fallu faire pour gagner ce journal? C'est pas glauque du tout. Non, 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 c'est faux. Bon, eh bien, ok, c'est génial. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller rendre le journal à Ranulf. Attendez, tu sais quoi? Je vais regarder la carte pour un petit peu voir si j'oublie rien. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Normalement, si je me souviens des quêtes, bon, après, il y a la meuf qui va apparaître de 19 à 3h. On a le rendez-vous qui va permettre de faire le truc du resto avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va peut-être aller en ville. Ça serait la meilleure chose à faire, je pense. Les aiguilles du temps, une dernière volonté. Ça, là, ce connard, il est jamais là. Né du chaos, ouais. Je pense qu'on va tenter une nouvelle fois Zomok. L'homme au journal, donc on va aller lui ramener. Attendez, on l'a pas? Si, on l'a, le journal de Ranulf, pourquoi... Ah, le fait de le lire, on le perd? Attendez. C'est quoi ce délire? Perdu de vue. Ça, ouais, donc on l'a mise à jour. Une rose fallacieuse. Un rat, le doudou d'outre-tombe. Ça aussi, il va falloir qu'on... Ouais, mais ça, c'est vraiment tard dans la nuit. Alors, lui, on va aller l'avertir si les portes sont ouvertes. Moi, j'ai bien envie d'aller un coup au terre. Non, mais ça, on le fera quand on ira faire le boss. Donc, on va se téléporter à la ville. Si pour lui, pouvoir téléportation. Et on va donc à la gare de Luxerion, nord ou sud. Bordel. C'était quoi? C'était nord ou sud, les amis? Je m'en bats les couignettes. On va dire nord, allez hop. Ciboli. Putain. Bon, alors on a quoi? On a... Je crois qu'il y a un mec qui nous raconte sa vie, il y a une note... fille qui nous raconte sa vie avec ses larmes de l'ange. Peut-être que ça va être enfin la dernière fois, le dernier jour où il faut aller la voir parce qu'elle me fait chier celle-là. Si on peut valider la quête de Virgil, ce serait pas mal. On va parler à celui-là. I'm collecting donations on behalf of the order. We ask that every true believer gives 100 gil to God. Allez, on va lui donner. Bless you. May the Savior free your soul. Enculé de ta race, je me suis fait voler. Alors elle, c'est celle qui veut les... que je check toutes les horloges. Putain, tout le monde, je suis sûr que tout le monde s'est fait avoir. Attends, 100 guilds, c'est rien. Et après, on s'attend à avoir une quête, quoi, derrière. Rien du tout. Tu donnes 100 guilds, tu fermes ta gueule, mon gars. Tant pis pour toi. On continue par là-bas. Alors, Ranulf, ouais. Normalement, il me semble que si je continue par là-bas, je vais le croiser. Ou pas, enfin je sais pas, au moins là-bas il y a Virgil. On s'en fout à la limite. Ah, il y a Chocobo Emporium, peut-être que j'ai réussi à récupérer les ingrédients par mes gardes. Ah, j'ai que le bolet foudroyé. Bah comme au début quoi. C'est génial. En fait je sais même pas où on trouve les autres trucs et j'ai pas envie de chercher, c'est la grosse flemme. Vous devez me comprendre, je préfère faire les autres quêtes qui sont beaucoup plus simples. Plutôt qu'aller chercher à l'autre bout du monde. Ouais, Bliss, je suis désolé, tu peux pleurer en ton coin. Elle est tout le temps là, comme une SDF, quoi, s'il te plaît. Donc il y a Raman, voilà, il va nous raconter une nouvelle histoire. Hey, are you ready to tell me more about your friend? His story is pretty intriguing. Oh, you're back. I knew you couldn't stay away forever. I wager you're dying to hear the rest of my friend's story. Now, where were we? Oh, right. He'd gotten transferred to a department that handled big stories and was given a huge one himself. It was a bribery case in Usnan. The woman suspected of the crime held quite a high position in the order. Corruption at the very top of the church hierarchy, huh? Sounds like a pretty big story, all right. It was indeed. Quite scandalous, actually. My friend pursued the case with a vengeance and published articles about it every day to keep the public informed of the facts. The woman was subjected to heavy criticism. A little too much, in fact. Turns out my friend was right about one thing. The saying is true. The
Pen is mightier than the sword. Unable to cope, she killed herself. That must have been tragic for your friend, but he simply told the truth, that's all. Well, the real tragedy is what followed. Shortly after her death, a document was uncovered. This document provided invaluable evidence in the case. It exonerated her of her crime. She was innocent. So the articles written by your friend drove an innocent person to take her own life? Yes, and he couldn't bear such a burden. I mean, who could? I'll have to tell you the rest of the story at another time. Putain, il me saoule lui, vraiment, raconter une fois par, par une. Bon, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, le prochain, ça sera le dernier, hein. Et encore heureux, parce que voilà, quoi. Devoir revenir tous les jours pour cette connerie. Il n'y a plus de monstres dans la ville, c'est bizarre, parce que moi, je m'attendais à en combattre quelques-uns pour gagner des points, justement, des PE, et en même temps, réduire, donc, le nombre... Le nombre de monstres des espèces pour pouvoir choper les Oméga, mais non, il n'y a plus rien, c'est fini. Il n'y a plus de monstres. Ah, par là-bas, il me semble qu'il va y avoir Arnulf. Alors d'abord, il y a la fille là aux larmes d'ange. Ouais, elle est là, c'est parfait. Normalement, la quête va se terminer sur ça, espérons-le. Voilà, encore m'estorquer de l'argent. Putain, je savais qu'elle allait monter le prix, cette pute là. I'm so sorry. I know this is getting old, but I don't think I can sell them to you after all. Look, if you can't sell me any, why don't you just tell me in the first place? Well, let me ask you this. Why do you insist on buying them when they're not what you're after in the first place? I know deep down, you really want something else. You're a mind reader too? Don't be coy. It's just that I can read people sometimes. I can sense what they're after. Look at you, blessed with all these hidden talents. All right, what is it that I'm really after? No need to be snide. What you're after is... is gone. Never to return. You lost something that was dear to you. An irreplaceable bond of some kind. Who the hell are you? I'm just a kid that's always been a little bit more perceptive than others, that's all. For some reason, I can sense what people want and how they're feeling. My tears are therapeutic for them. I don't understand how it is that your tears can help people with their problems. Well, everyone's been alive for so long now, their hearts are old and worn. They don't know how to feel anymore. Their tears have all dried up. People have lived for so long with feelings of sorrow and despair. It's become a natural part of them now. They don't even notice it anymore. They can't cry because they've forgotten how. That's why I do it for them. When people see my tears, it helps them remember how they used to feel. I think people should be able to laugh when they're happy and cry when they're sad. The angels' tears you sell mend people's hearts. I'll admit that's admirable. I believe you can't smile a genuine smile without being able to cry genuine tears. I just help them remember what it's like. But I can't heal you with my tears. That's why I don't cry for you. Sorry. Then what about you? Do you ever cry for yourself to mend your own heart? Huh? For me? No, I haven't done that in a long time. At least not for centuries, I'm guessing. I think so. Why do you ask? Just curious. She heals people by crying for those who can't, but she can't cry for herself. Her tears have become nothing more than a tool for her trade, an item to sell. No one seems to notice that, like everyone else, her heart needs healing too. Oh putain, c'est pas fini! Oh, j'en ai marre de ces quêtes à la con! Ça devrait être des quêtes de niveau 5, ça, sérieusement. Putain, il faut revenir sur 20 millions de jours. I saw a woman with rose-colored hair around these parts the other night, quite mysterious. She seemed to have been inspecting the crime scene. There was something almost ethereal about her presence. She was something. Génial. A lot of strange rumors are going around. People are whispering about ghosts and ghouls, of being haunted by dead.
light. What are you gonna do with that journal? Well, hello there. Have you tried Marlin's muffins today? They're exceptional. My hat's off to you, Marlin. I'm glad to hear that. Renolf, I have something to tell you. It's about your journal. My journal? Did you find that old thing? I did. I have it with me now, in fact. That's fantastic! Don't get too excited. You don't remember what's written in it for good reason. You made yourself forget. And some things are better left forgotten. Are you ready to accept the reality of your past? If not, please don't read it. What do you mean, the reality of my past? I'd like to know. I may regret my decision, but yes, I'd like to read it. I'm prepared to face the truth. You're absolutely sure? Yes. All right. Here it is. The part of your past you've been missing all this time. I remember now. I had a wife and daughter, but they were taken from me. The killer was never caught, though not for a lack of trying. I pursued him with a vengeance for years, decades even. Whether out of frustration or rage, eventually it became too much for you to bear. Your mind chose to forget that tragic event so you could keep on going with your life. I can't believe I've been living a lie for so long. How could I have erased the memory of my lovely wife, my beautiful daughter, their laughter, their love? I'm sorry. Maybe recovering the journal, maybe it wasn't for the best. No, I'm grateful you helped me remember what happened. I needed to remember. Thank you. The truth surrounding the incident is still a mystery to this day. This can't be the way it ends. I need to know what happened to my family and why. I need closure. The truth is the only thing that will help me go on with my life. Are you sure? You don't know the things you might uncover. I'm sure. Hope, I need to find out the truth behind this. I owe it to him. He deserves it. Sauver un innocent et du coup, je fais quoi là? He summoned up all of his courage to face the truth. The least we can do is help him learn it all. I'll do whatever I can to help. Just say the word. Oh, I don't know if this will help, but I may have found something regarding the case. Anything would help at this point. I found an old newspaper article about what happened to Renault's family. Unfortunately, it doesn't contain anything we already don't know. But that means there's a reporter out there who knows all about this case. That's true. There is a chance they may know something that can lead us in the right direction. It's not much, but let's pursue it. Ça parle d'un journaliste, ça aurait pas un rapport avec le pote de l'autre con là? Je pense que c'est ça, hein. Bon, attendez, donc du coup, je fais quoi là? C'est quoi le délire de la quête secondaire? Sauver un innocent. Il y a encore une personne sensible d'en savoir plus au sujet de Ranulf Lightning, de retrouver le journaliste qui a couvert cette affaire à l'époque. Génial! C'est génial! Donc ça va avoir un rapport avec ce connard de passion longtemps. Ça, elle m'a encore mis dans le cul. Alors, ça m'énerve. Ouais, ça, tant pis. Une rose fallacieuse, donc ça, il faut que je ramène une rose fantôme. Perdu de vue, mais il me semble que la zone où il est, ce soulard là, elle est fermée. Hein, putain de time à la con. Donc on peut tester Zomok, du coup à la limite, il n'y avait même pas Virgile. Les aiguilles du temps, j'en ai regardé combien, 8 sur 13. Bon, on va faire le tour de la ville en se dirigeant vers Zomok. Tiens, on va se faire les Anubis là. En plus, il n'y a pas de chaos à côté, ça va être beaucoup plus simple. Coucou! Attendez, hop, fragilité. Le meilleur OST des Final Fantasy XIII qui est en train de passer en ce moment même. Il est énormissime. Je l'adore. Je l'adore. Tiens, mange-toi ça. Putain, j'avais mis la garde. Allez hop, toi, on va te défoncer. Voilà, encore. Vite! Ouf! Ça, c'était une esquive. Ça, c'était de l'esquive, mon gars, eh oui. Connard. On se calme. On se calme, les amis. Mange-toi ça. Voilà, on s'occupe de ton cas.
fait une foudre, fait quelque chose, je sais pas. C'est l'autre que je veux taper là parce qu'il était en choc. Putain. Mange-toi du feu. Eh ouais, bah bien sûr, si vous me prenez contre le mur aussi. Stop, stop. Ouf. Ah, d'accord, je n'ai rien. Oh là là. Oh là là, c'est chaud. Oh oui que c'est chaud. Putain, genre ça pas... Excusez-moi, hein. Je me suis fait démonter. Bon, bah on va pas avoir le choix, on utilise une résurrection, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous faire mon rigolo. En fait, j'ai même pas de PE, hein, pour faire du coup Zomok, moi. Allez, meurs. Meurs, je sais que tu peux le faire, allez. Yes. Voilà, putain, deux Anubis en même temps, c'est vraiment chiant quand même, hein. Il est en choc. Voilà. Mitraillette. Yes. Allez, ta gueule. Au revoir. Bon bah c'est génial, on a gagné. Même pas, on a même pas gagné un PE. Bon bah en fait Zomok. On va pas le faire. Hein. On va pas le faire aujourd'hui. En tout cas, si j'aurai encore un autre jour, bah on ira le tester. Mais ce sera pas pour cette fois parce qu'en plus il n'y a pas de vendeur de bonnes potions dans le coin, donc ça sert à rien. Et du coup j'ai quoi comme quête maintenant? Vous savez quoi, on va faire carte et on va voir si les bas quartiers sont ouverts. Et effectivement ils sont fermés. C'est génial. Du coup je vais aller à la gare. Sauf qu'à la Luxerion Nord elle m'emmène où? Elle va m'emmener aux terres. Aux terres sauvages, donc c'est parfait. Une fois qu'on sera aux terres sauvages, on va en profiter pour... pour récupérer la dernière pomme d'Arias, finir la recette du chef là qui nous a demandé top et toutes ces conneries. C'était quand même une quête de niveau 2, donc comme ça au moins ça sera fait, on récupérera encore de la radiance. Et d'ailleurs je vais checker un petit peu pour voir s'il y avait d'autres quêtes. Donc les terres sauvages, et après c'est le Graal du Valhalla, donc quête de niveau 3. Il faut terminer le truc quoi. Il faut aller battre le boss du coin. On va en profiter pour combattre tous les monstres des terres sauvages. Hein. Et j'ai toujours pas trouvé d'autres horloges. Il m'en manque 5. C'est fort dommage. Bon, allez, on va prendre le train. Ici, voilà. Est-ce que ça compte comme une horloge, ça? Rien du tout. Super. Vous savez quoi, on va chercher un petit peu. Il y a un vendeur de potions, ici. Ouais, mais ils vendent de la merde. Il vend les petites potions de caca là. Allez, employé de la gare. Ah, mais il y en a une là. Ta gueule. Ne pas prendre le train. Donc il y en a une forcément dans l'autre. Dans l'autre gare aussi. Donc on peut d'ores et déjà dire qu'on en a 10. Allez, on va. Ah non, merde. Oh putain, comme par hasard, il emmène à Yusnan. Mais comment ça se fait? Il est pas censé être relié directement aux terres sauvages celui-là? Je comprends pas la logique. Vous savez quoi, là on sait qu'il n'y avait pas d'autres horloges. Quoi, repasser par là d'où je viens. Et on va mieux observer parce que je vous avouerai que je suis passé rapidement sans trop regarder quoi. Allez, il nous en reste pas beaucoup, il nous reste plus que 4 horloges à trouver. Et on est bon. Je suis passé par ici. Ah oui, je suis passé par ici. On va tester ce côté là. Moi je perds pas mal de temps pour rien, mais je peux même pas utiliser mes PE ou autre. On va se faire ce petit glouton. D'ailleurs on devrait être très proche du glouton méga. Avec tous les gloutons que j'ai butés dans la. Dans les quêtes de survie là. J'ai dû en buter facile 50. Plus ceux que j'avais tués avant, je dois être à 60-70 là. Donc ouais, on va arriver au. On va arriver à l'oméga. Je pense que l'oméga du glouton doit arriver au bout de 90 gloutons. Donc on va le trouver, on va le trouver. Par ici. Ah voilà, il y en a une là. Mais non, je veux pas te parler. Je veux... Voilà. Donc l'horloge est à l'heure. Il y a d'autres horloges ici? Non, on dirait pas. Attendez, je regarde quand même. Point du tout. C'est bizarre, mais j'ai toujours l'impression d'avoir raté quelque chose. Comme la gare. Non, non, c'est bon. Allez, on continue.
D'ailleurs, ah bah d'ailleurs, il est bientôt... Il est bientôt 19h, donc en fait, ça serait peut-être plus intelligent de... Ah putain, je peux pas taper. De repartir vers l'autre gare pour faire Yusnan, en fait. Ouais, parce que du coup, si je prends le train, je vais arriver à un peu plus de 19h, et il vaut mieux faire ça. Effectivement, donc on va faire ça, du coup. On va devoir encore faire un demi-tour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis tellement indécis. Allez, tiens, mange-toi le feu. Ne faisons pas attention à nos PV. Juste tapons. Hop, hop. Allez. Ah là, un glouton en moins. Je pense qu'on va croiser l'Oméga, là. Ce serait pas mal. Voilà, ça c'est fait. Fragilité. Encore du feu. Et par contre là, je manque cruellement de PV. Voilà. Sleep now. Ok, bon, elle me fait trop stresser quand elle dit ça. Oh. Chance que tu passes en choc pile poil à ce moment-là. Voilà. Et voilà. Sans souci. Donc 6 pelages de glouton. D'ailleurs, je dois en avoir plein de ces conneries là. Je me dirige vers le bon endroit ou pas? Est-ce que j'ai fait un bon demi-tour? Pas du tout. C'est super, j'ai bien fait de vérifier. Allez, c'est parti. On retourne vers l'autre gare. Merci, hop, hein, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Dépêchons, dépêchons. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va, à mon avis, terminer la quête de Candice. Voilà. Une fois qu'on aura terminé la quête de Candice, qu'est-ce qu'on a? Oh, y a... ça, c'est des merdes, je peux les avoir. Hein. En plus, ils ont perdu 25% de PV. Allez, c'est parti. Voilà, lui est mort. Putain, c'est risqué quand même. Hein. Ouf, la garde. Ouais, bon, on tentera plus de combat après ça, par contre. Parce que là, avec 315 PV, voilà quoi. Ça, c'est bon. Et l'Oméga de ces merdes là, de ces petits trucs blancs, parce que j'en ai tué aussi un tas de ça. Ça serait cool de me les mettre un petit peu. Enfin, pas maintenant. Pas maintenant, s'il vous plaît, parce que là... comment il s'est ramassé comme une merde? Il est mort, le type. C'est quoi, ce délire? Du coup, tu vois le peuple... Ah, et ben, il y a un mec qui vient de mourir, là. Est-ce qu'il y aurait le fantôme? Non. Point du tout. Et allez, on va se barrer à Yusnan. Alors, le guide touristique, voilà, qui tape des mains. C'est génial. Ah, on se retrouve, le nos signal furtif. Des ninjas maintenant. Allez, un peu Edgar, vas-y, ta gueule. Envoie-moi à Yusnan pour 100 guilds, c'est parti. Et on va pouvoir faire les quêtes. Oh oui, les quêtes, je chante trop bien, c'est génial. Ah là là. On se torticolie le cou. Et en avant, écoutez, allez. Termine-toi, petit chargement. Alors j'espère vraiment qu'on a suffisamment d'ornements, parce qu'avec toutes les quêtes qu'on a torchées, comment dire, on a récupéré des ornements bonus et tout un tas de trucs. J'ai fait les magasins de 3 régions différentes. Donc là, c'est putain, elle était vraiment en manque d'inspiration, la meuf, quoi. Parce qu'elle voulait me faire chier jusqu'au bout. Vous savez quoi, on va se nourrir, mais je crois que toutes les enseignes sont fermées. Ah voilà, il y a un marchand, pardon. Excusez-moi monsieur. Et mouton grillé. Ah, c'était un bon kebab ça monsieur. Vous m'avez redonné toute ma vigueur. Est-ce qu'il y a des gens ici? Parce que je sais que à partir de 19h, il y a de nouveaux PNJ qui apparaissent, donc on peut tenter de nouvelles quêtes du coup, si on en trouve. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une quête qui suivait celle où il y avait le gosse là qui nous avait volé, et il fallait lui ramener une lettre.
Et bah, ce que j'ai compris, il y avait une suite. Ça reste à voir. Ça serait une petite quête facile. Et je crois que dans la nuit, il y a un endroit où on peut acheter des lunettes, un endroit particulier. Peut-être à lui. Non. Et ces lunettes, on les donne à quelqu'un pour terminer une quête aussi. Ah! Je vais vous défoncer. Ouais. En fait, ils me considèrent pas vraiment comme des ennemis, du coup, vu que je suis ami avec Snow maintenant. Moi, je m'en fous, je te défonce. Je suis un bâtard, moi. Eh ouais. Je suis contre l'autorité. Je te défonce. Meurs, s'il te plaît. Hop là. Ah, ils sont revenus en vie. Comment ça se fait? Ah, parce qu'en fait, je les avais fait passer en choc, mais... D'accord. Je vois. Pour moi, ils étaient morts. Hein, mais bon. Voilà. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu fais sans tes copains maintenant? On rigole moins. Tiens, fragilité. Meurs. Voilà. Attends, ah, garde vitale niveau 3. C'est quoi? C'est quand je me défends, je gagne de la vie? Ce serait cheaté quand même. Ah non, je crois qu'en fait, non, c'est une garde qui est super puissante et du coup, tu perds de la vie quand tu l'utilises. Si je me souviens bien, il y avait ça dans le Final Fantasy XIII, premier du nom. Donc, je vais pas tester de me mettre ce truc. Allez, s'il vous plaît. Pourvu que cette quête s'achève. Tout mon argent aura servi à quelque chose. Elle est où? Où est la jongleuse? Où est cette salope? Cette incommensurable pute qui m'a fait dépenser mon fric? Ah putain! Non, 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 je ne suis pas d'accord. Elle doit être là à partir de 19h. Donc elle doit être là? Chier, Jean! Mais putain! Vous abusez vraiment. Quoi? Non mais comment dire? Comment exprimer ma haine envers Square Enix dans un cas comme ça en fait? Comment? Vraiment, je fais quoi? Comment je peux, putain, expliquer ce que je ressens en ce moment même? Cette quête qui m'assurait tout ce que vous voulez? Mais non! Rien du tout! Putain, j'ai envie de chialer vraiment. Oh là là, le seum intense. Ouais, les meilleurs feux d'artifice. Ta gueule, ouais. Bon, bah, vous savez quoi? Je pense qu'on va faire le Coliseum. Attendez, bon, il y a quoi là? Quête, je crois qu'il y a le rendez-vous à faire. Déjà. Donc, attendez. Victime de la mode. Cauchemar au comptoir qui est lié au dernier rendez-vous. On va voir si c'est déjà l'heure pour aller au rendez-vous. C'est possible. Et après ça, bah, on fera le Coliseum, je pense. Je pense qu'on va faire ça. Et le Coliseum, logiquement, devrait me faire gagner des PE. Et avec ces PE, j'irai donc aux terres sauvages, en téléportation. Je récupérerai la pomme d'Arias. Et après, on testera de se faire le boss. Voilà. Voilà le plan. C'est le petit plan. C'est génial. Je suis bien préparé. Mais je suis toujours dégoûté, quoi. Putain, c'était une quête de niveau 3, quand même. Je sais pas si vous imaginez le truc. Putain, mais... Là, je... Franchement, j'aurais terminé cette quête, je me serais plus inquiété si à la fin de cette journée, on a un nouveau fruit ou pas, parce que ça aurait été obligé. C'est pas possible autrement. Hein. Si tu fais une nouvelle quête 3, là, en ce moment même, avec tout ce que j'ai fait, bah oui, normalement, il y a un nouveau fruit. Et voilà, là, je suis trop sûr de rien. À cause de cette pute, là. Parce que juste, il y a une grosse statue qui se pète. Voilà, elle est plus là. Hein? Se pisse dessus. Par contre, quand moi, je dépensais 20 000. Trucs comme ça, hein. Pas loin. J'ai peut-être exagéré, mais je suis pas loin. Et putain, fuck, quoi, vraiment. Alors, il est où? Ouais, bah, s'il est plus là, c'est qu'à mon avis, il doit m'attendre au rendez-vous. C'est génial. Coucou. Je suis là. Gosh,
I didn't think you'd actually come. But what if... Excuse-moi. Putain, il faut que je porte ma belle robe en plus. Allez où? Voilà! Agaga, tu es content? Putain. Voilà, je suis toute belle. You came after all. You look absolutely beautiful. You're like an angel from heaven. I heard this place serves a mean steak. Yeah, it's delicious, all right. But first, let's watch the fireworks, okay? See? Aren't they amazing? You know, I really want to thank you for coming out with me. How many times do I have to tell you? I'm just here for the steak. Sure. We're just eating, right? My girl won't get mad at me for that. Why do you still call her my girl? I thought she dumped you. Actually, about that, I kind of embellished things. When you saw me looking so blue, it wasn't because I was dumped. See, well, the thing is, me and my girl were engaged to be married. But then she died. It happened so suddenly. I was in shock. Oh, I'm sorry to hear that. But then you came along, and I invited you out, and you said yes. And you even showed up. I mean, I didn't think you would. You don't know me from Adam. My girl and I had been looking forward to this day for weeks and weeks. She loved the fireworks of Usnan. She said seeing them made her forget about the end of the world. But then, all of a sudden, she was gone for good. I think she guided you here, so I could enjoy the fireworks for us both. It sounds crazy, but it could be true. Stranger things have happened. C'est génial, mais moi je veux les steaks. J'insiste sur ce fait. Je veux bouffer le steak. Mange le steak. Je parle à qui pour bouffer du steak? Steak. C'est toi, maître d'hôtel? Welcome. Oui. Spécialité de Snow. When offering a complete dining experience to discerning patrons, superb food and excellent drinks are not enough. One must always anticipate the needs of your patrons. I am constantly assessing the dining space from the viewpoint of my customers, the comfort, the decor. Our customers want more than just the meal. They come for the memories they can savor for years to come. Oui, 6 sur 6, Gordon Joe Gourmet qui est toujours là. Well, how goes the culinary tour? I did what you suggested. I visited the top restaurants in the neighborhood. That is excellent news. So now, let me give you the advice I promised. If CD's restaurant wants to turn its business around... wait, let me ask you something first. You've eaten at CD's and at the best establishments in Usnan. Why don't you tell me what you think is the main difference between the two? I'd be interested to hear your opinion. In your own words, of course. Why? Is this some kind of test? Yes, exactly. Now tell me, what did all the successful restaurants have in common that poor old CD's lacks? Let me see. Everyone I spoke to was helpful. They seemed honest and open. I don't think they were lying to me, but something seemed off. Oh, would you care to elaborate? Well, it almost felt like they were hiding something from the customers. But it wasn't as if they were deliberately lying or trying to deceive anyone. In fact, I don't think they realized it themselves. They thought they were telling me everything they knew. Yes, that's it. It was unconscious, like an instinct. They were hiding something, but they weren't doing it deliberately at all. I'd say the very best chefs, restaurant managers, and bartenders all share some kind of secret. It's like a special ingredient that makes their food stand out from the others. What a wonderful deduction. You have hit the nail on the head. To think you discovered this answer only after visiting a few establishments. It is as you say. The best, most successful restaurants have a certain je ne sais quoi, a secret something that makes their offerings unique. And finding that something, that is what I do best. In other words, if the restaurant does not already have a special something, then I simply cannot help it. Then what about CD's? Do you think you can help him? I can tell you this, the chef there already knows his secret. The talent is there to make that restaurant a success. Unfortunately for him, the secret spice that gives his dishes flair is extremely rare. He cannot secure supplies, and that is why he struggles. Let me be specific.
Once upon a time, CD's recipes all featured the spice commonly known as civet musk. But then supplies dried up and the restaurant fell into a long decline. You seem to know a lot about CD's. Well, a long time ago, let's just say we have a close history and leave it at that. Fine by me. All I need to know is that if I can find this spice, the restaurant should start bringing in customers. Yes, exactly. The problem is the spice is not easy to find. In fact, the only way to acquire it would be to defeat certain monsters. Such a shame. All for want of a single spice, his restaurant is failing. He has the recipe for success, he just needs the final ingredient. Génial! Putain, moi qui croyais que c'était fini. Chasser des tigriffeurs près de l'avenue centrale pour vous procurer du musc de civette, l'ingrédient secret du sérail, puis apportez-le à Gordon du Gourmet. Alors, ils sont à l'avenue centrale, ces merdes là. Juge, je regarde où c'est, je mets un repère et nous on va se quitter quand même sur ça, hein, parce que bon, voilà, on a largement dépassé le temps. Et l'avenue centrale, c'est là. Il y a des monstres ici. D'accord, ils vont apparaître juste pour la quête, je sens, mais bon. Allez, on met juste pour le ici, comme ça je m'en souviendrai au prochain épisode. En tout cas, j'espère que bah, vous avez pris plaisir à regarder celui-ci. Et les amis, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss. Et à la prochaine.